Fabrice, que me rapportes-tu du monde elfique ? Ça n'a pas été très facile, mais j'ai pu mettre la main sur un objet qui devrait convenir. Je t'ai rapporté le médaillon de Lionfeu. Je te félicite. Cet objet est précieux, car il est probablement chargé en émotions. Bien, très bien. Je vais enfin pouvoir déclencher mon piège. Je bondissais sur des nuages en forme de saucisses grillées. Hé, Chimie, toi qui t'intéresses aux rêves, qu'est-ce que t'en... Chimie ? Tu boudes ? Non, ne dis rien, j'ai encore ronflé. Mais je te l'ai déjà expliqué, je ronfle pas, je ronronne. Hé, mais qu'est-ce qui coince ? J'ai fait un rêve étrange. Lionfeu se débattait, attaqué par quelque chose d'invisible. Il est en danger. Je le sens. Lionfeu ? C'est le grand poilu, là, avec qui tu traînais tout le temps avant de me rencontrer, c'est ça ? Tu ne lui arrives pas à la cheville. Lionfeu, c'est le plus gentil et le plus féroce de tous les félins. Il est rapide, puissant, infatigable et indomptable. Jamais il ne m'a laissé tomber. Ben, tout comme moi. C'est mon portrait craché, je te signale. Tu trouves pas ? Il faut que j'aille sur Astria pour être sûre qu'il ne lui est rien arrivé. Je ne m'absenterai pas longtemps, c'est promis. Tu ne crois quand même pas qu'on va te laisser y aller toute seule ? C'est vrai, ça ? En avant, légendaire ! Légendaire unis un jour ! Légendaire unis toujours ! Merci, vous êtes de vrais amis. Si j'en crois la clé elfique, on n'est plus très loin d'une borne. C'est à quoi comme odeur déjà une borne ? De la vieille pierre recouverte de mousse, c'est ça ? Oh ! Par ici ! Tu l'as trouvé ! Gracia, avec moi ! Griff, Chimie, attendez ici ! Tout pousse tellement vite dans cette forêt ! Mais si mes souvenirs sont bons, la borne doit être... Qu'est-ce que je disais ? Pour le grand voyage, les amis. Téléporté. Peut-être que notre clé ne fonctionne plus. Comment on pourrait le savoir? On n'en a pas d'autre. Il se passe quelque chose sur Astria. Maintenant, j'en suis sûre. Mon cauchemar était un signe. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé à... Oh, oh là là! Et dire que j'ai failli l'écraser en tombant! Oh, oh! Je ne sais pas quelle espèce l'a pondu, mais il est drôlement gros! Niam! Ça vous dit pas une petite omelette? Ça va pas, la tête! J'ai écrabouillé son nid! C'est mon devoir de m'en occuper jusqu'à son éclosion. Pardon? Là-dedans, il y a un magnifique petit oiseau tout mignon et tout doux. Et si ça se trouve, lui et moi, on deviendra inséparables. As-tu pu arriver sans encombre? J'ai placé le miroir de glace, comme tu me l'as demandé. Tout se passe comme prévu, père. Voilà, mon poussin. Avec ça, tu seras comme dans un cocon et bien au chaud. On ne pourra pas se procurer une autre clé elfique. Alors moi, je ne vois qu'une seule solution. Passer par la porte de Mantalouna. La porte de Mantalouna ? Oui.
Lorsque les clés n'existaient pas, les anciens l'utilisaient pour accéder au monde des elfes. Sauf que ce passage est depuis longtemps abandonné et que ce n'est pas la porte à côté. La porte à côté? C'est drôle ça, Chimie. D'après mes souvenirs, Manta Luna est située au pied de ces trois pics rocheux. C'est les trois sœurs. Je suis déjà partie là-bas en mission avec les faucons d'argent. Il faut le tenter, on n'a pas le choix. Bon bah nous, on est prêts. Mon pousseur d'amour. Ça va aller, mon coco. Nous y sommes, les trois sœurs. Eh oh, ça va, les filles? Pourquoi vous traînez? Je ne veux pas que Coco soit trop secoué. C'est pas bon pour son jaune. Oula. Là, c'est bien comme ça. Bon, faudrait mettre le turbo, là. Jadina! Coco! Fusion élémentaire. Jadina, tout va bien? Oui, merci. Coco n'a rien. Je suis désolée, Jadina. Je voulais juste qu'on accélère un peu. C'est moi qui suis désolée. Je comprends que tu sois pressée d'arriver. Je suis si inquiète pour Lionfeu. Tu sais, je l'ai connu tout bébé. Il était trop craquant. Ah, tu me comprends alors? J'ai tellement rêvé d'avoir un animal de compagnie, moi aussi. Mère a toujours refusé. Les princesses ont une dame de compagnie, pas un vulgaire animal. Je t'envie d'avoir Lionfeu. C'est une chance incroyable. En fait, je crois bien que c'est lui qui m'a choisi. Quand j'y pense, j'ai passé plus de temps dans la nature avec lui qu'à l'école. On a grandi tous les deux, côte à côte, jusqu'à ce que je parte étudier pour devenir elfe élémentaire. Quand je l'ai retrouvé, il était encore plus beau et sauvage, et entre nous, c'était comme avant. Oh, Lionfeu, pourvu qu'il ne te soit rien arrivé. Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'il va bien. Hein, Coco? En tout cas, ton coco est entre de bonnes mains. Un problème? Non! C'est juste que ça bouge à l'intérieur! Tu veux déjà sortir, toi? On va attendre un peu pour voir. Hé! Hey, doucement! Du bien de se poser un peu. Bien d'accord, ah, j'en ai plein les pattes. Bon, on y va là? Oh, Chimie, sois sympa. On est tous exténués. Elle a raison, tu sais, on n'est plus très loin. Crois-moi, on arrivera à la porte de Manta Luna avant le coucher du soleil. Pas de problème, je comprends parfaitement. Mais moi, je peux pas rester là à ne rien faire. On se retrouve là-bas, d'accord? Ah!
Attends-moi, tête de mule. Je t'accompagne. Chut. Surtout, ne bouge pas. Tu fais quoi, là? L'arbre, là. C'est pas un arbre, mais une plante carnivore qui se sert de ses fruits pour attirer ses proies. Quoi? Ah ah Légendaire, pas de quartier. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas épluché des légumes. T'inquiète, Jimmy, je vais te sortir de là. Griff, derrière toi. Sans et sauf. C'est pas facile de digérer les légendaires. Razia? Je suis là. Miam, miam, c'est quand même bon ces trucs. Bon, désolé. Finalement, on y va quand vous voulez. Bah, maintenant qu'on est bien échauffé. Mon coco. Heureusement que Chimie était là. Merci, Chimie. À partir d'aujourd'hui, tu es la marraine de Coco. Nous y voilà. La porte de Manta Luna. Quoi? C'est juste ça? Pas de doute possible. Cette pierre nous indique que c'est bien la porte antique. Comment on fait? J'ai trouvé! Ici, il y a écrit qu'il faut entrer du pied gauche en prononçant le mot de Luna. Vous croyez qu'on doit tous y aller? Si une mauvaise surprise nous attend à l'arrivée, il vaut mieux rester groupés. Allez, légendaire, en avant! On est coincé entre les deux mondes. Je peux même pas bouger le petit doigt. Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal. Les légendaires. Darkel. Manquait plus que lui. Piégé comme de misérables cafards que vous êtes. Jadina, le miroir, tu peux le détruire. Je ne peux pas bouger. On s'est fait avoir comme des débutants. Et Razia, pourquoi il est pas là? Je ne sais pas, mais il est notre seule chance d'en sortir. Ténébrith? Alors, Corbeau, ça va mieux? Désolée, mais je n'avais pas le choix. Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler comme ça! Mon nom, c'est Razia! Ah! Et qu'est-ce que tu fais là, d'abord? Au lieu de t'en prendre à moi, tu ferais mieux de me remercier. De m'avoir assommé? Non! De t'avoir sauvé. Père a réussi à bloquer temporairement le pouvoir des clés elfiques pour vous attirer dans ce passage. Et grâce à un talisman que j'ai moi-même placé à l'intérieur, tes amis sont coincés pour toujours. Amène-moi ton père, que je lui règle son compte. Hé, du calme, Corbeau. J'ai une proposition à te faire.
Si tu acceptes de revenir vers moi et de te mettre à nouveau au service de mon père, je pourrais peut-être le convaincre de libérer le passage et tes amis. Il faudra juste que tu renonces à les revoir un jour. Tu n'as vraiment pas changé. Maintenant, si tu veux rejoindre ta bande de perdants, tu n'as qu'un pas à franchir. C'est tout vu. Non, ne fais pas ça. Attends, Corbeau, ne fais pas ça. Luna. Non. Razia? Ténébris? Pour le sauvetage, on peut se gratter. Mais pourquoi tu t'es jeté exprès dans la gueule du loup? Tu savais que tu serais coincé ici? Ben oui, parce que vous croyez que Darkel va laisser sa fille moisir ici? Quoi? Quoi? Ténébris! Je suis désolée, père. Ah, tu as tout fait rater. Tu mériterais que je te laisse ici pour l'éternité. Je pense comme ton père. Tu as besoin d'une bonne leçon. Tu crois vraiment m'impressionner avec tes tours de magie ridicules? Bâton aigle! Chat d'éclair! Retour à l'envoyeur. Comment tu dis déjà? Jade éclair? Hein? Qu'est-ce que... Coco sort de sa coquille? C'est une dure journée pour mon crâne. Oh, comme je suis émue. Allez, Coco, viens. Mais... Aïe! C'est pas du tout mon bébé Coco, ça! Ténébris a dû repasser la porte dans l'autre sens. On la suit. À quoi bon? Et puis, j'ai pas du tout envie de me retrouver encore coincé dans le tuyau. Alors ne perdons pas de temps! Tu n'y es pour rien. Tu as fait ce qu'il fallait. Peu importe que ce soit un lousard. Tu l'as protégé et grâce à toi, maintenant, il peut vivre sa vie. Oui, mais moi, je voulais un bel oiseau qui reste près de moi et qui devienne mon ami. Comme toi, avec Lionfeu. Mais oh, c'est quoi? C'est chou comme tout. C'est le médaillon que j'ai offert à Lionfeu quand j'ai quitté Coléana. Ténébris a dû le perdre pendant notre combat. Ah, je comprends mon rêve. Ce médaillon, Darkel l'a utilisé pour nous attirer. Mais ça veut dire qu'ils l'ont pris à Lionfeu. Je dois en avoir le cœur net. Tu veux partir à la recherche de Lionfeu, là comme ça, sans faire de plan? Il n'y a pas une minute à perdre. Apparemment, chef, elle n'a pas besoin de plan. Légendaire unis un jour. Légendaire unis toujours. Chimie? Tu peux lui faire confiance. Elle connaît chaque recoin de cette jungle. Elle est chez elle ici, à Coléana. Et surtout, elle a l'air de savoir exactement où trouver son Lionfeu. C'est pas que je sois fatiguée, mais j'ai un petit creux, moi. Tu lui enlèves sa crinière de flambeur et c'est juste un gros chat de gouttière.
beau lion-feu. Je suis si heureuse. J'ai eu si peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Quand je t'ai laissé ce petit souvenir, je n'imaginais pas qu'il puisse être aussi dangereux. Allez, il vaut mieux que je le garde pour moi. Bon, eh ben moi je suis content que tout ça se termine bien. Attends, il va peut-être la dévorer maintenant. Dites, on pourrait pas l'emmener avec nous? Non, non.